Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous voyez qu'on est sur Rem Royal. Et là il y en a, vous allez me dire, bon Lunium, qu'est-ce que t'as fait hein? Tout simplement aujourd'hui c'est les 7 ans de la chaîne Twitch. Et j'ai fait plusieurs jeux ARS parce que certains jeux ARS m'ont marqué dans mon passif de streaming. Smite dans un premier temps parce que c'est là où j'ai commencé le stream. Rem Royal en fait partie également. Et j'ai commencé par faire une game et j'ai des gens, ils étaient en mode, bon Lunium, tu veux pas faire une custom? Et bah au fur et à mesure, on arrive à 50 joueurs sur 80, alors qu'il n'y a pas de communication, rien du tout. Donc ça fait plaisir. Alors oui, Realm est sur du dead game, il n'y a plus de mise à jour, il y a très peu de joueurs. Mais en custom, eh bien, il y a une communauté très niche qui fait très souvent des custom games et ça fait super plaisir. Alors il y a tout, hein. Il y a du français, il y a de l'américain, il y a du russe, il y a du brésilien, c'est vraiment des quatre coins du monde. Et alors moi je suis avec Wizul mais on va pas vraiment faire la game hein. Vraiment merci beaucoup Bambi Galaxy pour le follow. Là le but c'est on va les suicider, moi je vais spectate tout simplement pour montrer à quoi ça ressemble. Alors le mode spectate il est pas forcément beaucoup avancé, c'est assez basique mais je peux vous dire qu'il y a énormément de niveaux hein. Là je vois Colemins et Slaish qui sont extrêmement chauds. Et je pensais pas qu'on allait réussir 50 personnes un lundi en fin d'après-midi parce que bah c'est what the fuck, c'est juste what the fuck. Et merci le pomelo, merci beaucoup. Le son qui m'a explosé les oreilles, mais merci beaucoup le pomelo pour ce sub. Et bien sûr, Twitch te dit coucou YouTube. Bien entendu, sur Paladin, t'es pas trop apprécié, mais sur Realm Plus. Mais parce que les gens ne me connaissent pas encore sur Realm, c'est pour ça. Voilà, tout simplement assez spectaculaire pour cette session. Voilà, directement. Et nous, avec Wizul, on va arriver dans la map. Donc là-bas, oh là là, oh, ça va se battre. Oh, ça va se battre très rapidement. Oh putain, la zone. Oh bordel, la zone. Pardon, excusez-moi, je vais me suicider. Oh bon sang. Oh bon sang, la zone. Smite, c'était ce matin, Milok. On en fera peut-être à l'occasion. Hein. On en fera peut-être à l'occasion. Mais là, c'était un peu journée exceptionnelle pour les 7 ans de la chaîne YouTube. Mais là, la zone va y avoir de la bagarre. Il va y avoir la bagarre. La bagarre, la bagarre. Merci Wizul encore une fois de t'être sacrifié avec moi, de prendre un petit peu de temps pour te jeter dans le vide, pour que je puisse spectate. Alors lui, je sais pas qui c'est, mais... Ah, alors il y a un mec solo, Prexan, malheureusement, pour lui. Mais par contre, il avait un skin absolument insane. Alors là, il va y avoir beaucoup de bagarres. Hein. Là, on va dans les petites maisons ici, on va regarder du côté de Shadows peut-être. Bah, Shadows, c'est celui que je vois justement. On va regarder Tuggy et Klars qui sont des FR. Bah, c'est eux, hein, notamment, Tuggy et Klars, merci à vous. Petit big up à vous parce que c'est vous qui m'avez chauffé, qui avez dit qu'il y avait quand même un petit peu de monde pour des customs et vous aviez raison, vous aviez complètement raison. Alors eux, ils ont fait le choix étonnant de partir dans la partie désertique pour ensuite aller vers Port Septentrional pour la zone, donc ça peut être pas mal. Et il y a déjà du fight. Déjà du fight, la Molotov qui est lancée. Klars qui va y aller, ça doit déjà se heal, on a l'outil de la popo. Il y a le pistolet poison ici, on prend le premier kill. Très bien joué et c'est malheureusement les Shy 32 qui va succomber sous le taillador de Tuggy. Très bien joué. On va regarder du côté de Déjot. Déjot Codec, on est vers les souterrains directement. On va regarder de Angus Angu. On n'a pas perdu de vie, on se loot tranquillement. On est du côté du cimetière côtier. Colemins qui est favori. Hein. On a essayé de partir Syrie en même temps, il y a la zone après, donc c'est plutôt cool. Alors la méta de ce que j'ai compris hein, après plusieurs games d'avoir regardé, c'est quand même du côté un duo Hunter Warrior avec les deux qui vont partir sur un Heroic Leap, donc le jump de buck hein, si vous jouez à Paladin, pour la mobilité. Le chasseur avec son arc et l'âge de lancer pour le guerrier, c'est visiblement ce qui se fait. Qui se fait le plus. On va essayer de défiler un petit peu. C'est très compliqué hein, le mode spectacle, comme je vous ai dit. Il est pas forcément insane. Ouh, on est allé forge perdu. On a fait un mouvement très risqué hein, côté steak et côté cave d'égout. Cave d'égout, je sais pas comment on le prononce. My bad hein, si jamais pas le cas. Mais là, c'est très risqué hein. La zone, dès qu'elle va push, va falloir courir très vite. Après, voilà, la première zone fait pas non plus énorme de dégâts. Donc ça peut être cool. Cavus. Cavus, on se loot. Ouh, on est à Flingoville. Là, on a vers Ravin des Gobelins. On a normalement nos amis Tuggy et Klarst. Ah, ils vont directement vers le port. Ok, ils vont pas se confronter tout de suite. Il y a eu un mort. Mylove qui a pris un bon kill. On va essayer de regarder. On est du côté du cimetière. Mylove qui a tué Puzo. Bah, il lui crache à la gueule. Très bien. Belle mentalité. Alors attention, là vous êtes en train de voir quelque chose qui ne s'est jamais vu. C'est une reproduction d'une archère et d'un cheval. Alors oui, je sais, c'est très spectaculaire les amis. Je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose qu'on a rarement vu.
Mais voilà, ce sont des choses. Voilà, si vous ne l'avez pas vu en 2022, ben vous l'aurez vu au moins ici. bien sûr, on se retourne côté Coleming qui va se battre un peu. Merci TG pour le follow. Ça se bat un petit peu du côté de Siri, on ne sait pas contre qui. On a encore Sly et Colemins qui vont essayer de craft. On a un petit peu de shards. On est en train de craft justement un peu de stuff. On a une poppy bombe. On n'a pas eu malheureusement la bonne upgrade. Ah si, on a eu le crâne qui rebondit du côté de Slyish. Partir du côté de Tuggy. Ça se déplace, ça fait toujours la partie désertique. On loot hein, les dernières maisons quand même. On essaie de prendre le plus de shards possible pour essayer d'aller craft après. La zone qui arrive que dans 45 secondes. Hein. Donc ils ont encore le temps. De toute manière, c'est des joueurs expérimentés. Hein. C'est des joueurs expérimentés. Donc on est parti à 50, on est déjà à 39. Il y a déjà quelques morts. Mais vraiment, quand la zone sera finie, ça va commencer à se bagarrer. On a headshot only avec Flash Eclipse. Oh, mais ça, c'est des petits Frenchies du stream qui vraiment sont arrivés. Ils sont dit, ouais, l'Unium, il fait des custom, let's go. Qui ont l'habitude de voir sur Paladin, c'est très marrant. Assez marrant. On va voir jusqu'où ils vont aller. On essaie de voir Pops hein, également qui fait très souvent des pugs, enfin c'est pas vraiment des pugs, c'est des parties perso comme je le fais là, qui m'a gentiment raid, qui m'a amené la communauté pour voir. Donc c'est très très sympa et vraiment ça m'étonne sincèrement, je vous jure, d'avoir autant de gens. Je vous promets que je m'attendais pas à voir 50 gens un 10 janvier 2022 sur Realm Royale en Game Custom. C'est un truc... Alors est-ce que c'est la renaissance du jeu? Je pense pas. Mais je pense, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Et moi, j'ai trop envie d'organiser un tournoi, en fait. Organiser un tournoi avec 80 joueurs, le maximum. Alors là, on le voit pas, mais le maximum, c'est 80 joueurs. Là, on était à 50 duos. Du coup, ça ferait 70 joueurs, vu que je me suiciderais avec quelqu'un. Mais ça ferait une belle confrontation, je pense. Ça pourrait être extrêmement cool. On va voir du côté de Lumi. Lumi avec Joystick. Ils ont pas été chanceux. Je crois que Joysticky a pas été très chanceux dernièrement. Attends, mais... Il a un lama, il a un... Mais elle est trop bien la monture, je la veux. Non mais attendez, mais c'est trop beau. C'est trop beau, pardon. La renaissance du jeu, ça serait génial. En vrai, je le dis un petit peu sur le ton, le second degré, mais... C'est un alpaga plus qu'un lama, ça peut-être même, non? Mais il est trop choupi. Mais malheureusement, non, le jeu n'aura pas de mise à jour, le jeu n'aura pas un regain de popularité juste grâce à moi. Hein. même si ça serait beau, ça serait un honneur. Mais bon, ça risque d'être compliqué. Oh, déjà, il a eu beaucoup de chance. Hein. J'ai vu, il a tué Soei. Ace Hardlight qui sont tombés malheureusement sur le coup de DJT de Codex, ça s'est pas joué à grand chose. Mais là, très très bien joué de leur côté, ils sont allés à la meilleure ville, hein, croisés de toute manière. Fluffy de ouf le lama. Ah, le lama il était trop mime ça. Clarstuggy, ils vont arriver à croiser. Oh là là, attention, il y a du craft, ça peut amener à quelque chose de bien. Ça peut amener à quelque chose d'assez intéressant, ils vont voir croiser avec la forge qui fume. Logiquement, ouais, ils la voient, ils savent qu'il y a du monde. Ils vont essayer de prendre. De côté, X-God Drift qui a fait un bon double kill ici, avec sa hache de lancer ardente. Est-ce que... après, ça a pas craft. Hein. Si ça a craft le Legendary Bow, alors ça la loot côté Tuggy. Si on a... Bah si, pardon, on a une hache, mais que violette. Hein. On n'a pas la légendaire, ça fera déjà un petit peu plus de dégâts. On prend intelligemment des popos côté Klarst. Quand même, on va pas faire un fight sans rien. J'ai envie de voir si confrontation va y avoir avec des Jotes et Codec. Ça craft toujours, hein. Y a moyen. Oh, il a eu la meilleure rune. Il a eu la rune qui régénère l'armure. 10 points d'armure par seconde. C'est très très fort. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de popos d'armure. Donc, le centaure est clip. Let's go. ne t'étouffe pas de rire, docteur. Mais c'est vrai que le centaure était très spécial. Bien sûr. La zone qui commence à push. Hein, on va commencer à avoir un 29 duo encore. On est parti de 50. Lord Knight. Joysticky qui va tomber. Malheureusement, Joysticky. Hein, il était accompagné. Je sais plus de qui. Mais malheureusement, son duo va être tout seul. Oh là là, ça se bat dans la zone. Steak et KV. Et bah c'était Lumi. Lumi malheureusement. Et Joystick qui sont mourus. Qui sont mourus. Si tu annonces un tournoi, ça va full train. Il sera encore plus serré. Il y a moyen. Il y a moyen en vrai. Il y a moyen. Et ce qui est marrant, c'est que là, c'est vraiment une vieille partie personnalisée qui était pas prévue avec 50 personnes. J'en reviens pas, quoi. J'en reviens pas. C'est énorme. C'est énorme. Klarst et Tuggy qui les attendent. Hein. Ils les attendent. Codec et Dejot. Ah, ils sont partis du coup. Ils ont pris notre direction. Est-ce qu'ils vont se voir? Ah, ils les attendent encore. Hein. Ah, par contre, ils entendent des bruits d'arc? Ça entend des bruits d'arc, là? Ok, oh, c'est au drop, ok. Il y a eu un drop, il y a un jump out, ça a été touché, on va essayer de les rush. On a l'information côté Tuggy ici qu'on a touché visiblement, donc on va essayer de prendre une meilleure posture.
Ok, on a le flair, on a la fusée éclairante. Ça a probablement dash out. Ouais, c'est de l'autre côté, hein. C'est de l'autre côté, on l'a vu. Ça touche, attention, on en prend beaucoup de dégâts. Ouh, les deux crânes qui passeront à côté. Ah non, ça rebondit. Oh, ouh là là, ça a fait un petit peu mal le crâne, attention. Flash Eclipse qui est tombé malheureusement. Coucou Niro. Ok, ça swap un petit peu pour les CD. Intelligemment. Regardez, mais regardez le tryhard. En fait, alors la technique, pour ceux qui connaissent pas, c'est que vous échangez vos compétences avec l'autre et ça reset les CD, c'est pour ça qu'ils font ça. Pour pouvoir spam. Et c'est très fort, Klars, qui a plus beaucoup de points de vie, attention. Hein. J'aimerais bien savoir contre qui ils jouent. On va tester eux, mais non, c'est pas eux. Peut-être c'est Pops. Parce que c'est Pops, c'est... Ah, peut-être. On était à peu près dans la même zone, mais est-ce que c'était eux? Ah non, ça backstab par contre, ça backstab, attention. Du côté de Goth et de Pops. Ça backstab, on se retrouve avec 3 teams ici. 3 teams ici, ça va essayer de se repositionner. Cavus. Est-ce que c'était eux? Est-ce que c'était Cavus? Non, c'était pas eux directement. On va essayer de retourner du côté de... Du côté peut-être... Du côté peut-être de nos favoris qui sont... Mais qui sont... Attendez, ils sont morts? Attendez. Mais il n'est plus là le favori. Alors je sais plus son nom avec le K. Mais ils sont morts, je crois. Ah, oh, ils sont morts, ce n'est pas Kianime. Mais ils sont morts du coup. Les très bons joueurs sont morts. Je n'ai plus le pseudo, mais ils sont morts du coup. On aura d'autres gagnants. Pizza et Bliat qui avait gagné la première game de duo. Essaye de prendre des fights. Oh bordel, je viens de regarder samedi quand j'ai couru autour du point, je me suis mis à rigoler de moi-même. Ah ouais? C'était trop drôle. Trop drôle. Ok, le jump, ça aggro directement. Bliat, attention, il a pris beaucoup de dégâts. Pizza Ita, il est pas très bien non plus. La flèche qui va toucher. On est fufu, on arrive à voir. Avec le flair, ça a touché. Le poulet. Pizza Ita en poulet. Bliat qui est pas très bien. Le double poulet, malheureusement, ça va être la fin. On essaie de monter le plus haut possible. Et malheureusement, Bliat qui va tomber. Il ne reste que Pizza Ita. On va essayer de. On va essayer de survivre le plus longtemps possible, mais ça paraît être compliqué. Ça va être compliqué. Niro, il y aura des customs. Hein. Il y aura des customs plus aujourd'hui. Ça va être la dernière custom, Niro, mais on prépare quelque chose. Edding et Dr. Tepper qui sont très très chauds, apparemment, de ce qu'on m'a dit. Ils sont déjà à 5 kills. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Et par contre, ouais, on a les favoris qui ne sont plus là. Hein. Alors, j'ai plus les noms parce que je suis con, mais. Déjà de Codec qui se battent dans le souterrain. Attention à la zone. Codec qui va tomber, déjà qui est plus très bien. C'est Twitch Tuggy, c'est Tuggy justement. Tuggy et Klarst qui sont là. Et ils arrivent à prendre le bon double kill. Très bien joué. Ah, c'est pas encore fait, si c'est fait. Tuggy double kill. Très bien joué les Frenchies ici qui arrivent à prendre un très bon double kill. On a l'arc légendaire. On va juste le désenchanter, ça ne sert à rien. Mais on les voyait, hein, on savait qu'ils allaient. Il est tombé l'un sur l'autre ici. Attention hein, par contre. Klarst qui se fait back là. Ah, il l'a retransformé en poulet, ok. XGOT qui est très très bien. XGOT et Pops qui ont l'air d'être plutôt solides aussi. On va avoir une fin de zone assez mouvementée. 21 joueurs. Ça attend en bordure de zone. Ça attend en bordure de zone pour voir justement s'il n'y a pas des petits retardataires. Klarst qui prend un bon kill sur Headshot Only. Ah, c'était notre ami Kana, malheureusement. Duel de français. On va changer de vision. My Love and Song et Sangu qui ont du mal. La T-pose. Alors là, on sait pas trop ce qui se passe. Je vais regarder My Love peut-être parce qu'on aura une meilleure POV de son côté. Je sais pas du tout qui ils affrontent, mais la zone est très restreinte. Hein. 20 duos, encore 10 duos. Enfin, 20 duos, 20 joueurs, on sait pas si c'est 10 duos encore. Ok, ça va rush, hein. On sait qu'on a plus beaucoup de vie. Le très bon coup de Slugshot ici. On essaie de se cacher un petit peu. Le crâne qui est lancé, ça touchera pas malheureusement. Le bon coup de haro, attention, ça peut se retourner. Hein. Le jump peut être agressif et peut être bien. On essaie le coup de haro par-dessus la barrière. On y va, transformation en poulet, et ça se retourne complètement. Double poulet, très bien joué. Et qui c'est qui tombe du coup? C'est quel duo? On va voir ça tout de suite. Enfin, s'ils y arrivent, oh, ils vont pas y arriver. C'est P333, on les a pas beaucoup vus aujourd'hui. Et malheureusement, attendez, est-ce qu'il va réussir? Non, il va pas réussir quand même. Il va pas réussir. Qui amène Astral malheureusement? Malheureusement, ce n'a pas suffi. Attention, ça se bat encore là. On a tué Logis de Pro. Bon kill, sécurisé par Pops. On est sur 4 kills aussi, on est très très bien. Klarst, on est sur du 4 kills aussi. Klarst Guy qui vont se battre. On a la Slugshot, on a la Legendary. La hache légendaire ardente qui va faire un dot en plus de toucher. Attention, on prend beaucoup de dégâts. Tuggy, on va voir avec le point de vue de l'arc. On drop les popos, sachant qu'on a le.
On a la perk hein, pour régen de l'armure du côté Tuggy, donc c'est très intelligent de partager avec son mate ici. L'âge qui passe pas très loin. Klarst qui se remet de l'armure comme il peut, le brouillard se rétracte. Là c'est compliqué hein, pour Klarst et Tuggy. Pas dans la meilleure posture, ils l'ont compris, ils vont essayer de rotate et de faire un meilleur move. Ils vont passer, ils vont faire le grand tour et c'est très intelligent de leur part. KV, KV steak. Très bon shoot ici, on fait une transformation poulet. Il y a un poulet sur la gauche, ils l'ont pas vu. Est-ce qu'ils vont essayer de l'exec? Je sais pas. Ils ont plutôt un bon shoot, ils ont une bonne position aussi. On voit le poulet sur la hauteur. Ils n'exécutent pas leur kill. Ils ont que 2 kills, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de finir top 1 quand même. Le TP, on va finir le poulet peut-être. Oh là là, le scope, le quick scope qui a pas marché malheureusement. Mylove qui prend un bon kill sur SG. On descend, attention le bump. Attention KV. Attention KV. Mylove qui a sécurisé ce très bon kill. Twitch Pops qui a tué Steak justement. Pops. Pops qui est transformé en petit chaton. En petit chaton tout mignon. Mais on dirait le chat de Lyric, mais je suis pas sûr si c'est ça. Hein. Mais ça ressemble quand même vachement. Hein. Il va respawn. Brrr. Tout mignon, tout mims. Salut Flaga. On va se heal. Et on a plus de popo d'armure. Je sais pas s'il en a encore des popo d'armure. Ça risque d'être compliqué, mais X-God Drift, je sais pas s'il en a encore. Il en a qu'une. Ça me paraît compliqué. Tuggy et Klarst qui sont pas bien. Un autre cheval. On essaie de se balader. Vous reconnaissez probablement le genre de paladin cette monture. Elle vient de Realm Royale à la base. Le loup sacré, bien sûr. Coucou Gunilith. Bonnes vacances à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout s'est bien passé pour toi, Lilith. On se repositionne. On a juste à patienter. Ok, le bon shoot ici. On a vu. Tuggy, très bien joué. La transformation en poulet. Bon, attention, on se fait back. On se fait back. On a pris un bon kill sur Logis de Plomb qui avait été raise. Mais là on doit back Klarst qui est pas très bien. La Molotov qui va malheureusement pas très bien se passer. Le bon swap au gun. Est-ce qu'on va réussir à le finir le poulet? Attention à l'âge, attention à l'âge. Le bon, oh le bon double œuf. Très bien joué. Très très bien joué Klarst. Le bon double kill sur Pops et God Drift. Ils ont essayé de back ça malheureusement. Ça s'est retourné contre eux. Top 10 très prochainement. Top 10 très prochainement. On y est, ça y est. On a encore, on a deux teams solo. Non attends, si on a deux teams solo pardon. Et les autres malheureusement les autres sont des teams de 2 directement. On va se positionner dans la zone directement côté Ilyuk parce que malheureusement là on est tout seul. On a un shield hein. Ah c'est marrant cet item, je le connais pas, c'est un shield qui doit riposte les shots. J'apprends encore des trucs sur Realm Royale. Oui oui mesdames et messieurs. On essaie de le jouer là. Le coup de flèche qui passera pas, on essaie de se faire discret. Merci, merci Kunilith. C'est vrai que c'est l'anniversaire Twitch. Les 7 ans. C'est ouf, hein, 7 ans déjà que je propose du contenu. Streamer toujours autant rincé. Bravo pour cette flèche de Guy. On a la hauteur. En vrai, le building du mid, la forge du mid, elle est vraiment bien. Hein. Elle est vraiment très très bien. On est la forge est en plein milieu, donc ceux qui sont déjà posés, ça va être bien. Ilyuk qui est tombé, on est. Mylove qui est tout seul, malheureusement. Sangu qui... Attends. Ça peut passer à travers les buissons? Ah oui, d'accord. Non, mais là, on est vraiment sur des joueurs assez exceptionnels. Attention, on se fait backstab, on l'a pas vu. On a toujours la régène d'armure. Est-ce que ce serait pas Tuggy justement? Eh bien, c'est bien Tuggy. C'est bien Tuggy qui était derrière. Ah, ils mettent des flèches dans le fessier. On va se rapprocher, on va se mettre derrière les blocs de glace. Ça risque de se finir pas loin de la forge. Hein. Ah, mais il va très, très loin le flair. Hein. La fusée éclairante va extrêmement loin. Je pense pas comme ça. Hein. Ça va extrêmement loin. On a presque full régène l'armure. On prend le contrôle du top. Très bonne flèche, un très bon molotov, un poulet. Du côté de Tuggy. Et on y va avec Klarst à coup de hache. On prend un autre POV. Il y a l'ice block, on va essayer de le tomber en poulet probablement. L'ice block, très bon poulet ici encore une fois. On sécurise le kill sur Steak, pardon. Cervero qui va prendre un bon kill sur KV de goût. On a pris le contrôle du top avec Tuggy. C'est très bien joué. Les Frenchies qui vont peut-être le faire. Le top 1. Attention, il arrive... Oh, la flèche était bonne, mais ça ne suffira peut-être pas. Encore une flèche, peut-être, ça ne suffira pas toujours. 7. On va voir côté Edding, c'est lui justement qu'on était en train de voir. Dr. Tepper qui est pas très bien. Qui est en poulet, qui a réussi à survivre. On a des popos d'armure, hein. Faudrait réussir à les récupérer. Attention, une bonne Molotov, ça peut faire extrêmement mal. Qui est tout seul? C'est Mylove. Mylove, il en est où? Mylove, ah non, c'est Mylove qui était presque tombé justement. Et qui est tout seul? Cervero, on a bientôt le contrôle du top. On va essayer de remonter probablement. Là ça commence à être compliqué. Le point final c'est la forge. On va regarder du côté de Tuggy. Tuggy Klarst. Très bonne flèche ici, la Molotov qui va faire pas mal de dégâts. Le soin qui ne suffira probablement pas. Une bonne flèche suffirait pour le transformer en poulet. On fait beaucoup de dégâts à la Molotov. Le canard transformé.
Le double poulet. Est-ce qu'on va y arriver? Peut-être la molotov. Essayer de la reprendre pour la lancer. Pour zoner. On sait qu'il y a deux poulets de ce côté-là. Edding qui a pris pas mal de dégâts. On essaie une revive, invisiblement. Ça a l'air d'être une revive qui est faite dans la forge. Extrêmement couillu, en vrai. Extrêmement couillu. Servero, ils se heal derrière. Ils ont été knock, mais ça n'a pas suffi. Ils n'ont pas pu aller les chercher. Ils sont pas en très bonne posture, les pauvres. Clark, on va regarder. Faire ça avec le heal. Oh, la molotov est très bonne. La molotov est très très bonne. Je pense que ça passe à pas grand chose. Tuggy qui a pris un peu de dégâts. Tuggy, deux runes extrêmement fortes. La rune des headshots et la rune de l'armure régène. Docteur Tepper et Edding qui sont très bien également. Ça a l'air d'être un revive, non? Ouais, c'est un revive. C'est un revive. C'est un revive de Sangu. Est-ce que ça va passer? Malheureusement, ça passe pas. C'était tendu. Mais Tuggy qui prendra un bon kill. Tuggy qui est déjà à 6 kills. 3 kills pour Klarst. Oh, attention, Klarst, on a trop grid. On a trop grid, ça peut être un petit peu dangereux. On a l'information sûrement du top. Et voilà, ça se fait push. Ça se fait push ici. Et malheureusement, ce poulet, on a réussi à le protéger pour le moment. Oh, attention! La perte de position ici du côté de Tuggy. Mais on prend le kill sur Servezero. On n'a plus le contrôle du top. Klarst qui est pas bien. Klarst qui va tomber malheureusement en situation de 1v2v2 ici. On est en situation de 1v1v2. Ça va être compliqué. Tuggy, on est tout seul. Edding et Dr. Tepper qui sont très bien, qui vont aller rush Tuggy justement. Et Tuggy qui est transformé en petit donut sucré avec de la chantilly, des petites paillettes et du chocolat fondu. On essaie de pas bouger pour faire le moins de bruit possible, mais malheureusement je pense que ça va être compliqué. My Love qui est coincé dans une étagère également. Et est-ce qu'on sait où il est? Ah, on sait où il est. On a l'information, le blast shot malheureusement de My Love. My Love qui a été très opportuniste et My Love qui va tomber, qui va aller directement dans la zone et qui va tomber sur le duo Edding qui va l'emporter. On me l'avait vendu et ils s'en sont très bien sortis. Et bah écoutez, la game était absolument insane. Bravo à tout le monde et j'espère que ça vous a plu. Ciao tout le monde.